Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Ville Jacques Mel levé journée jeudi 17 février 2021 en bas gros tension côté caoutchouc t'a boulé plusieurs côtés dans ville là. Situation ça a été paralysée pendant un bon bout dans journée quelques activités tant que l'école commerce là et transport. Mouvement tension ça arrivé à cause mascarade yo fait qu'on est yo pour qu'on joigne l'argent pour déroulement carnaval national Jacques Mel là qui prévoit pour dimanche 20 février qu'a venir là. Plus de détails à correspondant nous et l'Iloveïs depuis le département Sud-Est pays. Depuis hier soir, pour le ministère, ville Jacques-Mel, la première sanction panique. Et Jean Oudini, Taoutchoua, pour les diverses directions, barricades dressées. Pour le moment, on a parlé avec diverses écoles qui n'ont pas fonctionné la matin, obligées de libérer. Et raison, c'est pas le fait. Donc, on est dimanche cabinet, c'est pour le 30e édition carnaval. Officiel Jacques-Mel. Eh bien, dans le temps passé, la conjoncture politique là te permet, Jacques-Mel, de yon en ville qui te adoucit situation, hein, ça la cause, il te connaît recevoir plus l'argent, beaucoup de l'État. Et non, si on t'a parlé de carnaval, tant passé, Jacques-Mel, on a besoin de 5 millions, il devine arriver 10 millions, mais il y a 3 années passées là, yo, mais Jacques-Mel là, spécialement, te connaît 20 millions de gouttes. Alors que, il y a un ministère qui dit, quelque part, qui décompte, subventionner les groupes sonores ensemble de l'autre groupe, mais 20 millions qu'on vit, Méria. Mais pour aller ça, c'est 10 millions, actuellement, là, Méria, qui est en possession libre, capable d'organiser l'activité. Par contre, depuis hier soir, et l'association Mascaradio, qui ont même estimé, c'est eux-mêmes qui font ce carnaval là, en fonction des réserves produits, ben, yo a fait mouvement ça, yo a protesté, yo a volé caoutchouc, yo a semé la terre, juste pour capable, pas y pression beaucoup de gouvernement, pour retourner sur décision ça. Mais parallèlement, dans l'information disposée, et puisque nous parlions avec le délégué départemental sud-est là, Pierre-Michel Lafontan, nous fait nous connaître, et le groupe Mascaradio qui a fait mouvement, beaucoup au courant ça, mais c'est qu'il y a communication à côté de 10 millions de gouttes. Méria Genamela, la bien pour capable subventionner personnellement le Pascal Radio et le dit nous-mêmes l'information dans nous à partir de 16 jeudi, qui est jeudi 17 février, il y a un chèque et le groupe Pascal Radio qui a sorti dans le ministère qui a communication. Mais nous connaissons, est-ce que le groupe Pascal Radio, beaucoup au courant, qui est capable d'accord, il y a fait cette situation qui est là en ébullition dans le moment de parler. Même si nous avons dit qu'il y a certains endroits qui sont fonctionnels dans la ville, mais principal et route, nous avons dit bien grande rue Villa, Avenue Barranquilla, qui ont ensemble de l'école, pour l'instant, ils sont paralysés, et même au niveau de l'État, ils ont des difficultés pour fonctionner, parce que nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont été en ligne pour aller dans le BNC, ou bien qu'il y a un roche à côté qui l'a planté, pour nous être obligés de courir, parce que ils ont pas de courir. On était dans l'île, mais ça fait tout le monde qui donc, c'est une ville actuellement là, dans pile tension, à panique, pour le moment n'a pas l'air. Alors, non, et matin, bien bonnet, et transport, il a fonctionné, dans l'île, à Jacmel, et sorti Jacmel pour aller dans une zone, même là, nous connaissons, comme un petit sanguin du quitté, même si il y a des machines qui sont Jacmel, en direction de Port-au-Prince. Mais, pour le moment, ça, il est totalement des difficultés, et pour machine sortir dans un marigo, dans la caille Jacmel, ben, et comme station pour aller porter au poisson, lit, pas dans la ville là, dans l'Essayo, c'est dans ma courrie, dans cette ville là, nous pas connaît pour l'instant, est-ce que machine, y'a aucune possibilité, parce que, nous connaissons l'autre couloir, mon n'a pas passé, l'arrivé dans la station, hein, par rapport, l'y trouver, l'y, dans un bassin caillement, dans l'entrée ville là, ben, ça arrive, et si, situation, Jacmel, porter au poisson, ça fonctionnel, ben, dans l'autre, et circulation entre diverses villes qui, pour Léo, Kajak, Marigoua, pour l'instant, j'y en lis totalement perturbé. Merci en pile, Eli Loveis.
n'a pas quitté le département sud-est pays, nous voyons le département sud pays, 6 mois après séisme, 14 août, là, par gain travail qui réalisé dans la commune Cavaillon, selon yon, nan mai adjoint, Jean-Marie Naissant, qui souhaitait autorité centrale, yon, penser construire logement pour moun qui pi mal, yon, dans reconstruction grand sud, là. Plus de détails à correspondante, nous, Rosbeth Adenistan, depuis le département sud pays. 6 mois après séisme 14 août 2021, pas de propre réalisation qui fait dans la commune Cavaillon. Jean-Marie Naissant, maire adjoint commune ça, dit plus gros travail, ministère travaux publics fait, c'est ma kekaye qui mérite écrasé yo. Dans la question d'éblement, c'est plus effort personnel citoyen yo fait, à cause du technicien yo te plus campé sous fait l'argent. Ou regarder l'église là, pas arrivé écrasé pour ta ramasser remblai. Gagner l'école dans la 4e section, l'autre section, yo pas arrivé faire. C'est direction l'école yo même qui fait effort personnel yo qui veut faire yo seulement éterniser nos caméras et te bon c'est un te vini dans sens ça pour venir faire travail mais baol là j'ai tellement te parler là-dedans en bas yo moi même moi te font intervention me dit pas ba y a pas gagner l'argent là-dedans bon yo retirer quoi honnête dans commune Cavaillon place publique là terrain football gain plusieurs familles captant ses coups autorité yo selon magistrat Jean-Marie Naissant qui fait qu'on est en pile fois aide agence humanitaire yo mal distribué à cause yo pas contacté autorité communale yo autant de gendarmerie do oui y a bien pour venir mais chita ensemble avec nous pour nous connaître a mais ça qu'a fait b mais ça qu'a fait jusqu'à z rien pas arrivé fait pas rien planifié vrai en pile désordre dans gens yo fait distribution yo à côté moun non yo là l'autre moun a sorti l'autre côté vin derrière vin prendre l'argent vin prendre coupon dans un lieu et place de l'autre magistrat commune Cavaillon a profité mandé autorité centrale yo dans plan reconstruction pour penser à construire caill souterrain l'état yo pour famille qui pi mal yo fait un recensement de caill de famille qui vraiment dans besoin hein? Que des zones que des petits côtés nous qui gagnent dans la commune hein? Surtout dans tel état le côté était capable faire un plan de construction pour quelques familles. Mais quand même, il a besoin d'une petite structure plus ou moins pour que certaines familles soient capables de joindre moi pour loger. Même si ça fait dans plusieurs communes qui étaient frappées dans le tremblement de terre, magistrat Jean-Marie Naissant a constaté qu'il y a un peu de monde qui sont de l'autre côté qui viennent héberger sous place publique avec l'espoir de joindre qui choye. Li parle tout en pile moun ki te la caillou à cause yo di ONG yo di c'est moun ki manque en hébergement y a bay accompagnement depuis Ville Caille département sud Rosberta Denestan Radio Pyramide. Merci en pile Rosberta Denestan. L'autre point qui domine information au président tiré Sénat République là Joseph Lambert parle des nécessités qui gagnent pour gagner un consensus qui rive joine pour capable permettre gagner une solution qui rive prend à crise pays a connait depuis quelque temps. En écoutant déclaration président du Sénat République là Joseph Lambert. On continue à faire des consultations, on continue à consulter les gens, on ne va pas faire un sommet pour un sommet, on va faire un sommet pour avoir, pour sortir avec quelque chose, arriver à un consensus et on est en quête de ce consensus. Mais le Premier ministre ne fait que liquider les affaires courantes et on l'avait bien dit depuis le 5 février, j'avais dit le 5 d'abord dans notre note et confirmé le 7 et on continue à le dire. Mais l'important aujourd'hui, c'est quoi? Et le consensus passe inévitablement par une mise en commun de l'ensemble des acteurs de la société civile, l'ensemble des acteurs qui disposent déjà d'un accord politique. Eh bien, il faut qu'on fait une mise en commun ça. Et je pense que le Premier ministre, apparemment, n'est pas la personne la mieux indiquée pour faire qui ça, parce que constat global que nous faisons, nous croyons que moi nous jette tête toujours. Bon. On a la grande compréhension de situation, et moi, je prends la même compréhension. Les sociétaires, on comprend, c'est la même compréhension de situation. Un verre, ça va, mais deux verres, bonjour les dégâts. Une première fois d'absent, où il fait quelques 45 minutes de retard, on va même discuter. Une deuxième fois, encore faire 30 minutes, et puis la personne qui reçoit, c'est lui-même qui est supposé à l'accueillir. Peut-être. Certainement, bon, l'important c'est que je ne veux dire, nous pas voulons pas impression à l'international que prison capable en aucune façon impacter. Ça que nous-mêmes nous sommes capables d'essayer de jouer une détail pour blanchir là. Et ça fait que nous témoigner de présence, pour nous supporter une initiative louable qui allait dans le sens de l'intérêt général. Et ça fait que nous avions dit au Premier ministre, dans l'économie qui les appartient, je sais là-dessus, c'est bien de ne pas engager, trop engager l'État dans des bagailles et que lui-même, personnellement, n'est pas capable d'engager. Nous sommes écoutés déclaration président du Sénat République là, Joseph Lambert.
président Gréa Imler Rebi dit li appuyer condition mon bureau suivi à Koyo dans Montana pour capable river retourner dans dialogue avec chef gouvernement pendant li déplorer yon autre bord échec rencontre qui était de fait lundi passé. En coûte déclaration président Gréa Imler Rebi. Bon, c'est bon bail qui est très compliqué. Moi, tant d'un pile monde a essayé de justifier ça qui passe. Qu'un principe de base tout simple qui dit où, là où on invite au monde la Kaili, on est supposé là pour recevoir le monde qui est invité. Même si c'est mon qui est là, qui doit la pile la Kaili, dès qu'on accepte le principe là, on est supposé là pour recevoir. Ça va veut dire que, on ne peut pas avoir une contrariété. Dans ce cas, on a toujours songé côté grand de voir au monde, on met au monde là qui pour recevoir. Ça va rien nous arriver, parce que même le premier ministre t'a occupé, c'est à faire l'état bali un service protocole. Et service protocole l'a fait pour recevoir mon nom. Et qu'a fait des civilités avec lui, il était pas là avec lui. Et gros monde qui était là, qui créait un mouvement qui a bal l'information au fur et à mesure, jusqu'à ce monde qui pour recevoir vraiment vini. Donc si vous déposez mon nom côté, mon nom par personne, c'est totalement normal d'aller. Même quand vous avez besoin de Dr. Ariel Henry, pour pas. CEP pour le parcours à le nommer. Et qui va donc prendre le pouvoir pour la nommer mon juge de la Cour de cassation. Ou imaginons, c'est le bagage, c'est seul président de la République là que la loi en Haïti prévoit qui est capable de faire ça. C'est même gens où le président qui a un mandat dans le il a nommé mon dans CEP de manière irrégulière, qui n'est pas capable de faire CEP après fonction et normal. Nous sommes côté déclaration président Gréa Imler Rebi. Gen ancien ministre justice là Camille Leblanc qui estime gouvernement te doit consulter conseil supérieur de pouvoir judiciaire pour liste 9 magistrats que ministre Berto Dossé mettait dehors pour te ka entrer dans la cour de cassation sous yon formule pour ta combler vide là parce que paysan li nan yon situation exceptionnelle. Mais Camille fait connait situation vide ça qui gen nan pigou tribunal paysan a bloqué système justice là net s'il n'est pas comblé. En côté déclaration ancien ministre justice là Camille Leblanc. Pour moi-même, au grand problème de m'attendre entre de protéger entre gouvernement à travers ministère de justice là et CSPJ. Donc même comme pas de Sénat Kounia, pas de président et Kounia ou une situation de fait côté que ou gain on institution pas fonctionnelle. À partir de mois février là, ou gain à peine 3 juges qui en fonction et puis pour une audience faite, c'est minimum 5 juges. Donc ou une situation de blocage complet. La justice est un service public, faut résoudre question ça. Gouvernement ça le fait, il voit 9 noms pour cela, qui pas d'accord pour cela lui-même et me comprendre des matchs là comme son bagage national ou bien 9 membres qui manquaient, faut ouvrir un bagage pour 9 membres. Bon, c'est vrai que ou pas dans le cadre constitutionnel là avec Sénat etc, mais ou pas non plus quitter ou bien 3 juges en cour de cassation, pas rien qu'à faire ou bon blocage. Il faut que vous faites la justice comme celle suite fonctionnelle. Donc faut répondre à la question ça pour eux-mêmes, ça que vous faites naturellement, faut ouvrir en inscription nationale côté demandé dans chaque juridiction pour moun yo déposer candidature moun qui appli les conditions prévues par la loi, yo déposer yo et puis yo bon délai pour faire ça et sur le plan national tout document ça yo retenu. Donc à ce moment là le gouvernement doit lui-même faire des listes de 3 par chaque poste. Et puis le voyer bagaille ça au bail. Et puis le voyer bagaille ça au bail conseil supérieur là pour lui-même capable de traiter dossier yo, ça nous relé faire le travail et que la loi bail pour faire. Et une fois que conseil a estimé les 9 listes présentées, ça fait 27 noms, les 9 listes présentées, nous y remplir les conditions et la font avis favorable voyer bail gouvernement. À ce moment-là, gouvernement lui-même l'a choisi une dans chaque liste. C'est comme ça, en fait, c'est pas Jean, ça fait là, probablement, qui crée un problème, on met en temps un désaccord entre le conseil là et le gouvernement. Moi, je pensais que le gouvernement a dû consulter le conseil là avant de lancer la question, pour te garder si démarche là, il a agréé à lui-même tout le monde d'accord, pour te faire, Jean pour te faire là. C'est vrai que tout le monde a il a fait sous fond d'une situation exceptionnelle, parce que pas gain Sénat et pas gain président de la République. La loi dit, lorsque qui manquait, le doux Sénat de la République lui ouvrit candidature pour poste à pouvoir. Et à ce moment-là, il a déposé dossier, l'étant de monde et puis il fait choix, on liste de 3 noms pour poste qui a pouvoir. Et à ce moment-là,
li François de Mounsayo, li voyel by président, président lui-même transmet by CSPJ pour vetting, pour vérification. À ce moment-là, il est capable de décider personnalité ça. En tout cas, liste ça, il prend pas liste. Démarche fondamentale là, c'était Sénat. Sénat pas là. Maintenant, est-ce que le gouvernement qui a intervenu dans un dossier aussi sensible qui est le juge de la Cour suprême? Donc maintenant, gros problème nous, c'est que nous avons trois juges. Ça veut dire que pour fonctionner, il faut gagner cinq. Ça veut dire que trois juges là, c'est comme 10 sénateurs qui sont là, on va gagner en fait. Donc ces problèmes sont gagnés. Gros problème dysfonctionnement ça, et que nous avons tenté aussi d'apporter des réponses. Est-ce que l'opportun, ça qu'a fait là, est-ce que vous avez accepté qu'un premier ministre sans Sénat, sans être président, avance la question? C'est une grande interrogation. Mais cependant, l'autre réponse c'est est-ce que nous avons quitté le système non bloqué? Nous sommes côté déclaration ancien ministre de justice là, Camille Leblanc. Coordonnateur organisation Zami Plante d'Haïti, Watson Kader, pote plus détails sur l'organisation qui fait qu'on essaye un groupe engagé dans le département Latibonite qui mettait tête ensemble pour voir qui j'en yon qu'à sauver le pays dans la question de reboisement et puis aider la population à comprendre l'importance pied bois gagné dans les milliers qui a vivre. Dans ce sens, Watson Kader annonce le lancement d'un concours pour élèves l'école qui a commencé 6 mars qui a venu là. En côté déclaration coordonnateur organisation Zami Plante d'Haïtien Watson Kader. Et c'est une organisation qui est une équipe engagée mettez dans le département de la Tibonite là pour voir comment on apporter tout ce pas dans la construction pays et équipe jeune ça dit que eux même il pas aider personne craser pays et eux même il pas contribuer dans craser pays. Ça fait que eux même porter tout ce pas dans question reboisement aider population comprendre l'importance plante aider mounyo reboiser planter pi bois et ces missions ça yo bay tête. Mais projet ça nous pas gagne aucun organisme cap financier nous obligé mettre tête en place nous organiser en pile activité socio culturelle à travers département la Tibonite là spécialement au Gonaïve pour nous non seulement faire la jeunesse qu'on est qui travaille dans faire pour nous faire footman avec yo pour yo impliquer dans travail dans faire positif et direct ou indirectement. Mais nous avons besoin des petits fonds pour nous capables de nourrir le projet ça. Parce que c'est comme nous besoin quand même pour nous encadrer l'agronome. C'est pour ça que nous faisons une pile activité. Pour l'instant, nous avons une grosse activité nous lancer dans la communauté gonaïvienne. Quelle activité il y a? Il y a une activité socio-culturelle, il y a une activité, il y a un concours talent, il y a un concours chanté inter-école, inter-scolaire. Côté que, en pile l'école déjà embarqué. Et déjà répondre présent pour une telle belle activité qui nous compte lancer le 6 mars et prochain et final la fête prévoir fête pour à l'occasion fête des mères et dernier dimanche mois mai. Le souris à concours en fête et qui côté la fête normalement et l'appel sur le plan social et talent yo gagne pour venir interpréter des belles musiques sociales et au même tout yo gagne pour yo écrit un texte sur l'environnement pour dire qui savent comprendre l'environnement et pour porter une proposition de solution en dedans texte par eux. Et concours ça la fête dans collège Faustin premier qui sur date Gonaïve là. Qui est-ce qui a participé dans concours ça? Et normalement c'est élève l'école, c'est concours inter-écolier, chaque école qui est intéressée vous voyez un ou deux ou trois artistes qui pouvaient nous représenter l'école là. Et mais tout n'a pas dit ça, tout le monde a venu assister, venu apprécier, venu applaudir, venu encourager le travail qu'a fait là et même venu nous voir valeur qui gagnait côté que mais qui pas gagne cadeaument. Donc yo nous invité tout le monde qui a venu participer, venu apprécier talent ça yo qui en plus monde pas connaît. Qui est concours placé exactement et à qui le n'a placé dimanche 6 mars. Mais avant dimanche 6 mars, nous avons un prélude côté qui nous a préparé avec des artistes invités à travers la ville. Et pour nous qui connaissons, il y a un artiste qui est au Kavin Banoubakop pour nous faire un prélude pour vendredi 4 mars. Nous avons fait un prélude côté qui a un artiste invité qui a venu ouvrir ces instants pour nous. Mais dimanche 6 mars, c'est l'artiste lui-même, c'est l'école qui a commencé à venir performer. Et dimanche 6 mars, si Dieu. Nous sommes côté déclaration coordonnateur organisation Zami Plante d'Haïtien, Watson Kader. Communauté internationale a engagé pour bailler 600 millions de dollars américains
pour capable reconstruire grand site pays dans cadre conférence internationale donateur qui était organisé mercredi 16 février passé à la capitale pays à Port-au-Prince, malgré gouvernement te dit au besoin de $2 milliards pour remettre grand site là sous des pieds après passage tremblement de terre 14 août 2021. L'argent qui bral ramasser a bral dépensé pendant 4 années d'après chef gouvernement haïtien Dr Ariel Henry qui fait connait li pat espérer joindre toute l'argent ça à bon côté communauté internationale là. De l'autre côté, chef gouvernement remercie tout partenaire international yo pendant li bay garantie l'argent ça pas faire route couchi Jean ça t'est fait dans l'année 2010. En côté déclaration premier ministre haïtien Dr Ariel Henry. L'évaluation a estimé les besoins à près de $2 milliards, dont les secteurs les plus touchés sont le logement pour $815 millions, l'éducation pour $326 millions, les transports pour $152 millions, le commerce et l'industrie pour $148 millions. S'agissant du plan de relèvement intégré de la péninsule sud, il se concentre sur la prévention et la gestion des risques et désastres naturels futurs et comprend 4 axes stratégiques, à savoir la gouvernance du relèvement, le relèvement économique, les infrastructures résilientes, l'aménagement du territoire et l'amélioration des conditions de vie de la population, et enfin l'inclusion et la protection sociale. Le plan d'action du relèvement intégré de la péninsule du Sud sera financé sur 4 ans, c'est-à-dire du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025. Concernant l'annonce des contributions par les États et partenaires internationaux, nous avons obtenu un montant total de $600 millions. Un geste de solidarité qui va au-delà de nos espérances. Je veux aussi affirmer que l'État haïtien s'engage à travers le trésor public à financer le PRIPS à hauteur de 10 milliards de gourdes sur 4 ans, à raison de 2,5 milliards de gourdes par année sur le programme d'investissement public. Je veux saluer la solidarité et l'engagement de la communauté internationale dans sa volonté de soutenir les objectifs de cette conférence. Je remercie l'ensemble des partenaires internationaux qui ont fait une contribution pour financer la reconstruction de la péninsule sud. Particulièrement, je salue et remercie le président de la République de Cuba, son Excellence Miguel Díaz-Canel, pour son ferme engagement de supporter et de continuer à raffermir les liens de coopération avec Haïti. Je veux terminer ce point de presse en affirmant que cette mobilisation devait être l'acteur fondateur de nouveaux partenariats entre l'État et les acteurs internationaux. Et je crois fermement qu'elle bénéficiera grandement à la population de la péninsule sud. Elle doit aussi servir au renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes naturelles et à reconstruire autrement en Haïti. Nous promettons tout le monde, tout donateur, l'agence a pral bien utilisé dans la transparence au service monde dans le grand sud. Nous connaissons l'agent contribuable l'autre pays. Nous veillons à ce que chaque grain de dollar ajoigne monde qui pi besoin. Nous sommes côté déclaration du premier ministre haïtien Dr Ariel Henry. Secrétaire général en après ONIAN Amina Mohamed remercie toute agence internationale qui montre volonté pour changer visage pays d'Haïti. Diplomate là félicité gouvernement qui présentait un plan bien déterminé pour récamper grand site pays. Cependant, diplomate là annoncé tout, yon mette sous pied un programme spécial pour superviser réception et décaissement l'agence a dans l'idée pour pi bien appliquer plan redressement. De l'autre côté, diplomate là bay garantie Nations Unies a toujours été bon côté peuple haïtien. En côté déclaration secrétaire général en après ONIAN Amina Mohamed. United Nations is committed to supporting the government's response, whether in a post-disaster earthquake context or more broadly in its development plans and commitments to reach the SDG targets. Nations Unies, comme organisation, l'irrité
solidaire li continue à marcher avec le gouvernement haïtien pour non seulement améliorer la situation sud-là après la catastrophe-là, mais d'une manière plus générale pour continuer à accompagner l'État haïtien dans l'effort de relèvement de l'ensemble du pays à travers des projets ciblés. Événement jeudi, c'est un excellent exemple de un plan bien structuré que l'État présentait pour activité relèvement qui envisage et plus spécialement à travers programme que relè PRIPS là. Je dis à tous, nous très contents d'annoncer la mise en place d'un programme spécial qui pourra superviser réception et décaissement fonds de manière la plus transparente, la mieux organisée pour une bonne application de plan de relève du Sud. Tout effort qui annoncé jeudi, tout travail qui programmé pour relèvement Sud-là, yo inscrit tout dans un plan qui plus large, qui a travaillé sur une meilleure capacité de pays de faire face à des catastrophes naturelles, tant en termes de prévention que de gestion. Faut nous garder en tête, nous, que le travail qui était pour nous faire, néanmoins, en pile, parce que en dépit de efforts qui actuellement a organisé et qui pourra le déployer sur une période d'à peu près 4 à 5 ans, bien une grande partie de la population, près de 4,8 millions d'habitants, qui jusqu'à présent ont besoin urgent d'une assistance. Dans ce sens-là, l'État, Nations Unies, toute agence partenariat et toute barrière yo, a compté sur l'effort de coordination qui a fait yo, pour un bon déploiement de plan ça. Journée jeudi, nous sommes témoins de présentation par l'État haïtien de un plan structuré qui engage à faire bonne utilisation de tout effort de solidarité ça qui fait en faveur de relèvement de presqu'île du Sud là. Même Jean Tout, nous sommes témoins de l'engagement de plusieurs agences internationales, de plusieurs autres pays qui étaient présents dans la conférence là, pour continuer à accompagner Haïti dans l'effort de relèvement que l'a fait Jodia. Et nous espérons que deux séries d'efforts de chaque côté pourront contribuer à améliorer situation en Haïti bientôt sur tous les plans pour permettre que Mounio vive dans de meilleures conditions. Nous autres côté déclaration secrétaire général en appel au Nian Amina Mohamed. Diverses délégations qui étaient sorties dans le Grand Sud là t'es venu assister à l'activité ça. Parmi eux, ancien député Pestella dans le département Grand-Est PIA, Ronald Etienne t'es profité lancer mise en garde pour l'argent qui bral dépensé dans cadre programme ça pas gaspiller même gens ça qu'on répéter en dans pays pendant souhaiter barrer au suivre dépenses ONG. Ronald Etienne souhaitait Kobla investir dans projet durable tant qu'ou investir dans secteur touristique là qui c'est véritable richesse commune Pestel gagne. En côté déclaration ancien député commune Pestel là Ronald Etienne. Juger présence mes voisins là que normalement pour que l'idée mieux peut-être t'a servi à certains bailleurs qui toutes les fois vous vont les bailler comme là mais il n'y a pas déterminé dans quelles conditions que comme là est fini dans le pays d'Haïti et que comme ça au lieu là les fonds travaillent sérieux dans le pays à comme il a rien mais vous vont des fois atterri dans poche certains mouns dans le gouvernement et certaines ONG Ron qui est censé spécialiser dans le domaine ça. Ron, nous avons plusieurs cas. Nous avons 12 janvier,
comme CIRH là, comme on était gagoté, et dans votre CIRH là, la voix du député Ronald Etienne, c'était ça, elle était annoncée. Comprendre que sur l'argent qui va gagoter, et nous c'est une voix qui a voté contre CIRH, la façon de organiser, et bien c'est même j'en tourne parce que les grands accapareurs, voilà, prêter pour y aller derrière, comme ça, je ne veux dire. Et nous voulons faire, nous voulons mettre des balises, ou bien nous voulons annoncer aux bailleurs et aux peuples haïtiens pour contrôler monsieur, contrôler ONG, pour que cette fois-ci, nous quitter population bénéficier de projets qu'il y a financés et que non seulement tout nous va t'arrimer que son forme d'assistana ou bien de venir sauver misère malheureux bon ça dit pour venir travailler dans ces projets humanitaires et puis pour projets structurants bon pour y éliminer. Nous sommes écoutés déclaration ancien député commune Pestella Ronald Etienne. Nous voyons un point qui domine l'information, ouvriers et ouvrières qui travaillent dans la factory, te prennent la ria pour exiger pour yo bayo pour pipiti 1500 goud pour yo capable vivre. Manifestation ça a commencé devant Sonapia, li passé plusieurs côtés, là il tombé dans Carrefour Tifor. Et mouvement protestation a gen objectif rivé devant ministère affaires sociales. Gen un syndicaliste Télémac Pierre qui fait qu'on est yo pas en affaire accès cela qui l'a pour fixer salaire. Une autre boss syndicaliste José Mérilien fait qu'on est bataille ouvrier à ouvriers, c'est une bataille qui juste et légitime. En côté une après l'autre Télémac Pierre ak maître José Mérilien. Même si on pas quitter le milieu de vos ministères, mais nous en proximité, ministère de social à travail. Nous venons vous demander, c'est demander, nous venons demander. Nous vous demandez, Ariel, ensemble, votre quatre l'argent qui va déposer, on s'en vous venez pour que le déposer l'argent, pour que nous gardions mieux. Moi, je service, mais on a premier accès à toi, premier accès à la hypothèque. Parce que c'est un patron seulement qui gagne une prêt, il y a le poste sur l'hôtel, nous-mêmes, nous sommes gagnés. Nous venons là pour nous dire, c'est la minimum, non, avec les confis, c'est la minimum, non, syndicaliste Télémac Pierre ak Josie Mérilien. Yon lot bon ouvrier ak ouvriers yo dénoncé la police ki ben yo ak gaz pou te kapab krasé mouvement nan men yo. Pendant yo fè konnen tout yo pap découragé y ap kontinye manifester jusqu'à ce que yo jwenn satisfaction nan sa ki konsene revendikasyon yo. An koute déclaration kek manifestant ki t'ap fè revendikasyon yo passé nan la ri Port-au-Prince.
1500 gouttes, ils nous baissent. Tout le temps, nous pas chenis, nous pas baissent. Monsieur, on doit mettre le salaire minimum de l'île fixé à 1500 gouttes. Ok? C'est pas seulement pour vous, vous voyez. Pour tout le monde qui travaille. Parce que ça, c'est un salaire misérable, mes amis. Ça, c'est que ça vous gâte. Mais on va le marché, 3000 euros, on va le bon. C'est quoi si on va le bon? Négocier ce qu'on fait. Galon gaz mouté, tout le bagage mouté, négocier. Bon, ça fait 4 jours. Ça fait 4 semaines parce que nous faisons 2 jours, semaine ça. Je vais retourner faire 2 jours encore. Et ça qui fait ça, c'est parce que le salaire minimum, non, c'est 500 gouttes. Et là, manger pour 30 dollars le matin et pour nous prendre bagage, que ça valait 40 dollars et l'après-midi, on va manger plus. Et là, ça même n'est pas considéré que d'avoir sur l'argent pour nous. Et peut-être que ça veut dire que nous allons arriver à la justice. Il y a 1600 gouttes de café pour nous. Moi, 1600 gouttes là, c'est pas qu'on nous connaît le café en bagage pour nous. Maintenant, moi, 1600 gouttes là, pour nous avoir soulager. Regardez, nos chiens qui ont mangé. On est payé ça pour aller. C'est tout le temps que nous sommes. On va pouvoir souffrir. On va gagner souffrir. Nous vous allez péter fiel pendant 3 ans. Le président a dit chaque année, il n'y a pas juste des salaires. Nous avons 3 ans. Je n'ai pas vu regarder, nous avons travaillé pour 500 gouttes. L'argent américain a voltigé. Caille mouté, manger mouté. Prix machine, nous ne pouvons pas payer. Pousse moto, pas de pousse moto 100 gouttes encore. Nous prenons la rue le premier jour, deuxième jour, nous avons pris son bras et nous avons gagné. Les policiers ont crasé, nous avons commencé à pourrir. Depuis sous l'aéroport. Et bien nous-mêmes, jusqu'à présent, aujourd'hui, nous sommes dans la rue. Nous prenons la rue pour nous joindre, ça nous besoin, parce que nous venons à nous, pour nous demander ça pour nous. Jules, pourquoi avez-vous acheté ça? Et bien ça, bien qu'on est mal calculé, parce que c'est eux-mêmes, c'est pas qu'on est cette contactory qui met dans l'école, cette contactory qui prend tout le temps, qui nous organise pas à quoi qu'on te gagne. C'est la police qui prend pas nous gaz, qu'on te gagne après qu'on te gagne, nous à nous. C'est 35 coups de maman nous dit qu'on perd, c'est qu'on tout fait. Il y a défendu le droit, salaire minimum, qui sont dans les sommets, misérables, quand ils ont manifesté, ils ont demandé pour 1600 gouttes, pour Ariel Henry, pour eux, on s'est aidé des cagoulés, de révéler la police, puis tirer gaz, puis faire peuple à gaz, nous jouons à la monnaie, population, dans toutes les quatre pays, levez qu'on peut contre Ariel Henry, parce qu'Ariel Henry, armé, on s'est aidé des policiers, ça policiers, c'est faux policiers, ils n'ont pas fait policiers. Sous les policiers, on a tiré gaz. Sous malheureux, malheureux, cap de fond de l'eau. Nous sommes côté déclaration quelques manifestants dans la rue Port-au-Prince. Ouvriers et ouvriers dans l'occasion de deuxième journée manifestation pour semaine ça, qui c'est quatrième journée mobilisation pour augmentation salaire minimum dans 1500 gouttes, te joignent si pour plusieurs militants politiques, parmi eux Pierre Kilik Semelis, Ruben Nonsan, qui te parlé dans micro la presse. En côté déclaration, yon après l'autre, Kilik Semelis ak Ruben Nonsan. Nous 10 ans, n'a pas mis en face PHTK Jovenel Lissio. Je dis à Ariel Henry, c'est continuité PHTK le tapé. Mais je dis à nous, dis nous-mêmes, directeur de la police à qui moutait la Jotia. Niquez oreilles pour nous écouter. Je dis à Famassé, je dis à Quoi des bouquets, Banti, Delmadé, Banti, Namaya, Banti, Nassali, Banti, c'est des soleils. Je dis à mon bac à manger, mon bac à bré. Mais je dis à mon nexayo, c'est eux-mêmes Jovenel qui est utilisé. Mais je dis à nous-mêmes militants, nous pas perdre un gaz là, n'a pas dit Vladimir Jeribé, nous la soubéton, comme nous toujours famassé, directeur de la police là, inspection générale, pas jamais relé. Nous sommes côté déclaration qui lique ce ministre à Ruben Nonsan.